Pronostiquez les matchs du week-end sur Unibet. 100 euros remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. 2, 1, 4, 5. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dernier numéro de la série transfert Arc été 2024. Plus de 2 mois plus tard, le mercato estival approche de la ligne d'arrivée et les clubs européens n'ont plus que quelques heures pour peaufiner leur effectif. Certains respectent d'ailleurs les bonnes habitudes par du panic buy. Par contre, d'autres sont plutôt contraints de dégraisser comme en France après le fiasco des droits TV synonyme de revenus en baisse. Les clubs de l'élite ont moins d'arguments pour convaincre les joueurs sur le marché et le constat s'est confirmé du côté de Brest malgré la qualif en Ligue des Champions. En dehors de l'Europe, la fenêtre de transfert saoudienne sera à suivre, d'autant que la date limite n'est plus en octobre mais le 2 septembre. La presse espagnole venait en plus de lâcher une bombe selon laquelle Ronaldo a conseillé à Al-Nassr de recruter Zidane comme nouvel entraîneur. En parallèle, d'autres informations sont plus concrètes. Entre 6 Macan sur le point de rejoindre le quintuple Ballon d'Or pour plus de 40 millions d'euros, Sergio Ramos en partance vers Al-Auraba, ou encore Ivan Tounet déjà d'accord avec Al-Ahly. Bref, le moment est venu de faire un dernier point général sur le mercato estival. Les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, mais encore plus valable aujourd'hui pour terminer la série transfert en beauté. Celui, évidemment, de m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui touche au but dans le sens des départs. Ugarte a signé à Manchester United contre 60 millions d'euros dont 10 de bonus. Bukele est prêté à Leverkusen sans option d'achat et d'autres indésirables sont sur le point de trouver preneur. Donc Carlos Soler toujours plus proche de West Ham, Bernat en direction d'un prêt à Villarreal, Danilo Pereira dans le viseur de 3 cadors européens ou encore Skriniar toujours en doute quant à un départ malgré plusieurs intérêts. Le PSG prévoit déjà de foncer sur un jeune joueur en la personne de Thomas Araujo si le Slovaque trouve un projet. En parallèle, le Parisien avait vu juste sur la fin des dossiers Sancho et Osimhen. Chelsea a barré la route à la Juventus concernant l'international anglais alors que l'ancien Lillois vacille entre Chelsea et Al-Ahly, déjà d'accord avec Naples, sur une indemnité d'environ 80 millions d'euros. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens jouent au poker menteur, mais aux dernières nouvelles, aucun numéro 9 devrait venir malgré la blessure de Gonzalo Ramos. D'un autre côté, la rumeur Manu Koné aura duré à peine 24 heures. Une source italienne laissait entendre que le club de la capitale s'intéresse au vice-champion olympique avant de voir la Roma s'entendre avec l'international espoir tricolore. Deux recrues seraient normalement espérées avant minuit, affaire à suivre. En dehors de Paris, les clubs français s'activent d'autant plus à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, mais le sprint final peut parfois réserver des surprises. Lens pensait récupérer 30 millions d'euros dont 5 de bonus grâce à la vente de Danso à la Roma, et le transfert a capoté suite au diagnostic d'un problème cardiaque du défenseur autrichien lors de la visite médicale. Le club artésien vient néanmoins de sortir un communiqué pour remettre en cause l'interprétation du club de la Louve, d'autant que le joueur ressort d'une saison à 30 matchs et plusieurs tests en sélection au moment de l'Euro 2024 comme en club avant la reprise de la saison. En parallèle, les dirigeants romains ont déjà trouvé une alternative en la personne de Thiago Diallo, comme de par hasard. Joseph Ogourion devra donc trouver une autre solution en vue de remplir entièrement l'objectif de revenir à la rigueur budgétaire. Par contre, les dirigeants lensois voulaient alléger la masse salariale et plusieurs éléments de second plan sont libérés de leur contrat, dont Spearings, déjà nouveau joueur de Brøndby, Aïdara en passe de rejoindre Brest et Samed en partance vers Sunderland. Le dégraissage aura longtemps posé problème au club de l'élite au cours de la fenêtre de transfert. Du côté de Marseille, l'OM est enfin en train d'obtenir gain de cause concernant Gigot, Mbemba et Veretout grâce à des intérêts en provenance de Serie A. Au rayon des potentiels arrivés, la signature de Jonathan Rowe aura précédé celle de Neil Bopey qui débarque en prêt avec obligation d'achat de 4 millions d'euros. Chez l'autre olympique, le schéma est un peu le même. L'OL s'est offert Tespin contre 6 millions d'euros et arrache quelques prêts, dont ceux de Wilfried Zaha et Warmedo Mari. Mais John Textor travaille surtout pour dégraisser l'effectif, d'autant que le dossier Sidiki est tombé à l'eau, faute de moyens. Amin Sarr est reparti en prêt à l'Hellas Vérone. Tagliafico a tapé dans l'œil du Galatasaray. Et le président lyonnais pourrait jouer de la multipropriété pour sortir Aurel Mangala ou encore Nouama vers Everton. D'un autre côté, l'absence de solution concernant Cherki a déclenché l'option de la prolongation. En principauté, ensuite, Monaco est revenu à la charge sur Boubacari Soumaré, en même temps de prêter Maripane au Torino. Le voisin niçois a officialisé les arrivées d'Abdelmonem et Moukoko sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 18 millions d'euros. Le Gym pourrait dans la foulée enregistrer une dernière recrue en la personne de Mike Trésor. Du côté de la Bretagne, Rennes s'est offert Mikael Fay contre plus de 10 millions d'euros et devrait récupérer le même montant grâce à la vente de Bourigeau à Al Duhail. En parallèle, le Stade Rennais s'est mis d'accord avec Alitiad pour le transfert de Jota contre 8 millions d'euros, en plus d'attirer un milieu de terrain du nom d'Ahamada en provenance de Crystal Palace. Les dirigeants rennais traitent d'une autre part avec le voisin brestois pour prêter Ibrahim Salah. Brest qui venait d'une autre part de céder Achraf Dari en Égypte avant d'obtenir le prêt de Saoumaïla Koulibaly en vue de renforcer la défense. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Strasbourg brise le record de dépenses avec l'arrivée de David Washington pour plus de 20 millions d'euros. D'un autre côté, le Racing s'est débarrassé de Frédéric Gilbert en même temps de
mettre la main sur un prospect du Havre en la personne de Yoni Gomis. Le HAC, justement, a mis la main sur Ilie Souzdi et prête Antoine Joujou à Parme. Nantes s'est attaché les services de Gebama et Nicolas Kozar en plus de céder Mepiou à Wolverhampton. Montpellier a bouclé l'arrivée de Rabin Zingula et s'apprête à vendre Jory Chotard à Wolfsburg. Saint-Etienne est intéressé par Pierre Ekou en vue de renforcer le milieu de terrain et tient une offre de 13 millions d'euros de Leverkusen pour Mathis Amougou. Toulouse a convaincu Joshua King de s'engager libre de tout contrat. Reims s'est fait prêter Aurelio Buta par Francfort. Auxerre a négocié la même opération avec Bournemouth pour Ahmed Junior Traoré, alors que le SCO d'Angers tente de rapatrier Mbanyang en tant qu'agent libre. À l'étranger, désormais, plusieurs écuries européennes font sauter la banque dans le sprint final, comme la Juventus. La vieille dame a déboursé plus de 100 millions d'euros en l'espace de quelques jours, entre les arrivées de Nico Gonzalez, Francisco Conceição et Kop Meiners grâce à un accord autour de 60 millions d'euros. L'Atalanta aura vite profité du butin pour signer Cuadrado, Rui Patricio et Kutsunu, dont l'opération comprend un prépayant de 5 millions d'euros avec option d'achat de 25 millions d'euros. Naples est venu à bout des dossiers McTominay et Lukaku pour des indemnités respectives de 30 millions d'euros. L'AC Milan a prêté Yassine Adli à la Fiorentina et finalise un échange Steelmakers Abraham avec la Roma. Le club de la Louve venait de recruter Saoul Abdoulhamid en provenance d'Al Hilal. Le club saoudien a accepté le départ du latéral droit après la signature de Cancelo pour 30 millions d'euros. Le champion d'Arabie Saoudite 2024 essaye désormais de convaincre Coman en partance du Bayern. Outre-Manche, Arsenal s'est attaché les services de Merino contre 37 millions d'euros et acte les départs de Fabio Vieira en prêt à Porto et Ramsdale dans le cadre d'un transfert sec vers Southampton contre 29 millions d'euros, dont 8 de bonus. Chelsea a recruté un 7ème gardien du nom Mike Penders pour 20 millions d'euros et le prête dans la foulée à Genk. D'un autre côté, les Blues ont cédé le prêt de Kepa Arrizabalaga à Bournemouth. En parlant de gardien, Mamardashvili aura coûté 35 millions d'euros à Liverpool avant de retourner en prêt à Valence le temps d'une saison. En parallèle, les Reds ont déboursé près de 13 millions d'euros pour relancer Federico Chiesa. Brighton a fait coup double avec les arrivées d'Orile et Kadjuglu pour la bagatelle de 65 millions d'euros. Puis pour compléter la liste, du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid s'est renforcé grâce au prix de Clément Lenglet et Juan Musso, après avoir envoyé Homo Rodion au FC Porto, alors que le Barça a prêté Vitor Roque au Betis pour lui donner plus de temps de jeu. Quant au reste des officiels, Leipzig a mis la main sur Virmirun avant d'enregistrer la signature de Gertruida sur le fil. Stuttgart s'est offert El Bilal Touré contre 18 millions d'euros. Hoffenheim a posé 8 millions d'euros de moins sur Valentin Gendré. Lecce relance Ante Rebic, libre de tout contrat. Un ancien gardien parisien, Sirigu, est de retour à Parme. Bologne a obtenu le prêt d'Iling Junior sans option d'achat et Benjamin Dominguez débarque contre 5 millions d'euros en provenance de l'Argentine. Le com de Fabregas s'est attaché les services de 3 joueurs en l'espace de quelques jours, dont Sergi Roberto, Nico Paz et Marc Kempf. Ipswich a suivi la règle suite aux arrivées successives de Jack Clark, Oshi et Ogbene pour une somme totale proche de 40 millions d'euros. Leicester vient de lâcher 25 millions d'euros pour signer El Canous et remet le nom de Jordan Ayew au premier plan après la signature de l'ancien Marseillais pour 6 millions d'euros. Burnley devra payer autant à l'issue du prêt avec obligation d'achat d'Anibal Mejbri. D'un autre côté, le club anglais transfère Wout Weghorst à l'Ajax. Brentford a investi 10 millions d'euros sur une pépite brésilienne en la personne de Gustavo Núñez. Girona s'est offert à ce prix-là grâce à un chèque de 25 millions d'euros. Le Celta Vigo récupère Marcos Alonso en tant qu'agent libre. Rames Rodriguez revient en Europe au Rayo Vallecano. Douglas Costa choisit quant à lui le défi australien du Sydney FC. Le Sporting a déboursé près de 15 millions d'euros sur l'international uruguayen Maximiliano Araujo. Benfica obtient le prêt de Zeki Amdouni avec option d'achat de 20 millions d'euros. Enfin, deux gardiens ont annoncé raccrocher leurs gants, dont Chesney à l'âge de 34 ans et Claudio Bravo à 41 ans. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.